Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet ce dimanche. Comme je l'ai dit lors de l'émission précédente, ce sera du côté d'Auteuil pour le grand steeplechase de Paris. On a droit à un groupe 1 en support de Quintet Plus. Ce sera la quatrième course de cette première réunion. Qui dit événement exceptionnel dit horaire exceptionnel. Hein, vous le voyez, ce sera la quatrième course prévue à 16h05 au lieu de 15h15. Donc voilà, on a mis les petits plats dans les grands. On a un quintet avec 18 partants, vraiment 6000 mètres à parcourir dans cette très très belle épreuve avec une course qui est ouverte. Pour la victoire, je pense que c'est circonscrit entre quelques candidatures, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui tentent leur chance. À mon avis, ils sont un peu barrés, mais sur 6000 mètres, tout peut arriver, on le sait. C'est vraiment une course extrême et c'est vrai qu'on a hâte. Ça va être vraiment un pur bonheur d'assister à cette course. En tout cas, on va rentrer dans le vif du sujet. Moi, j'ai retenu en tête de ma section le numéro 10, hein, Jex. Je pense qu'il a vraiment été amené au mieux par Emmanuel Clayeux pour cette compétition, dont il a terminé deuxième l'an passé. Il vient de remporter une des courses références, c'était le 8 avril. Il battait Meta Sequoia notamment, un cheval qui est très estimé. Voilà, c'était l'une des préparatoires. Il a fait l'impasse derrière sur la dernière préparatoire, le prix Ingré, afin d'avoir suffisamment de fraîcheur pour ce grand steeplechase de Paris. Voilà, je pense qu'il n'y a rien à inventer. Au niveau de sa préparation, je pense que son entraîneur est un homme habile, Bertrand Lestrade, qui n'est pas le premier venu. Voilà, moi j'aime beaucoup sa candidature. Je pense qu'il est capable de créer la décision. Ça va être une sacrée course, mais c'est vraiment l'un des lauréats potentiels. Ensuite, j'ai retenu le numéro 5, hein, Meta Sequoia, un cheval qui a connu une longue absence. Hein, vous le voyez, il n'a couru que deux fois en 2022. Je ne sais pas s'il n'a pas été absent plus d'un an et demi. En tout cas, c'est un concurrent qui, depuis qu'il est revenu, se montre irréprochable. Après une rentrée en haie très correcte, il a enchaîné les accessites, notamment d'honneur, hein, surtout cette année. Hein, il reste sur 4 deuxième places. Il a prouvé qu'il avait de la tenue à Pau, notamment en terminant deuxième sur 5300 mètres, 6000 mètres sur l'hippodrome d'Auteuil. C'est pas rien, mais il a quand même terminé deuxième, lui aussi, du prix Murat derrière Jex. Il a fait également la passe derrière sur le prix Ingré. Voilà un cheval qui se présente en pleine possession de ses moyens. Il a 6 ans, il est vraiment bien, il a la jeunesse pour lui. Et franchement, je trouve que lui aussi fait partie des très très belles chances de cette épreuve. À mon avis, il devrait réaliser une performance de choix. Ensuite, en troisième position, j'ai peut-être pas tenter quelque chose, mais j'ai retenu le 4, Kariakou, je l'adore Kariakou. J'ai failli le retenir en tête pour ne rien vous cacher, ce hongre de 11 ans. Un petit peu comme Docteur de Ballon qui est vraiment capable de réaliser de très très belles performances dans cette compétition. En 4 tentatives dans le Grand Steeplechase de Paris, il a terminé à chaque fois dans les 4 premiers. Je crois qu'il s'est imposé en 2019. En tout cas, il a pris les 4 premières places en 4 tentatives. Donc voilà, un cheval qui a toujours terminé à l'arrivée de cette épreuve lorsqu'il l'a disputé. Voilà, il est âgé de 11 ans, c'est pas forcément évident, mais c'est vraiment un chic cheval. Il a réalisé une très belle rentrée en haie et c'est vrai que j'aime beaucoup sa candidature. Je vous le cache pas, je l'ai retenu 3ème. J'espère vraiment qu'il va réussir à fournir sa meilleure valeur et si c'est le cas, attention à lui. Je pense qu'il est vraiment capable d'un exploit. Ensuite, en 4ème position, j'ai retenu l'as Franco de Port. Un Franco de Port qui est de retour hein, sur notre sol. Il a terminé 3ème de cette compétition l'an passé. Voilà, Willy Mullins hein, qui est venu avec beaucoup de bonnes cartouches ce week-end. Et c'est vrai que ce Franco de Port, il est en forme. Il réalise un très beau début d'année. Voilà, rien à ajouter. Je pense que c'est un cheval d'expérience, un homme d'expérience qui lui est associé. Et avant le coup, même si va falloir que ça se passe bien parce qu'il y a quand même 18 partants au départ, il a montré qu'il était capable l'an passé de bien faire à ce niveau-là. Et moi, je lui accorde un large crédit. Je l'ai retenu 4ème. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu le 18, Altesse du Berlay. Altesse du Berlay, je l'aime beaucoup, hein, cette pensionnaire de mon confrère Giannica Giula. Qui vraiment a fait de belles choses à 4 ans, qui a d'ailleurs remporté le prix Ferdinand Dufort, hein, la plus belle course en steeple. D'ailleurs, c'était le week-end de l'Arc hein, qu'elle s'était imposée, le week-end du Grand Steeplechase de Paris qu'elle avait remporté ce prix Ferdinand Dufort qui aura lieu également dimanche. En tout cas, là, elle vient de terminer deuxième, battue par Dr Caléo. Maintenant, elle a 4 kilos d'avantage sur 6000 mètres, c'est pas rien. Une jument de 5 ans qui a de la qualité, qui revient bien, à mon avis. Guillaume Macaire et Nicolas de la Genette ont vraiment mis les petits plats dans les grands, l'ont préparé avec soin pour cette épreuve. Pour la victoire, à mon avis, ça va être difficile parce que 6000 mètres face à une telle opposition avec autant de partants, il faudra vraiment que ça se passe bien. Mais j'aime beaucoup sa candidature. Je trouve qu'avec 64 kilos, c'est vraiment une concurrente qui est capable de brouiller les cartes. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le 13, Général en chef, qui a terminé 6ème hein, pour sa rentrée. 6ème seulement. Je ne sais pas si on l'a cette course de rentrée d'ailleurs.
pour général en chef. Ça devait être peut-être ici, voilà, le Primura. Il est non placé, mais bon, il était sixième en réalité. C'était pas si mal, et puis il avait sans doute besoin de courir. L'an passé, il a terminé 6e, mais surtout il y a 2 ans, en 2021, il a terminé 4e de ce grand steeplechase de Paris. C'est un cheval qui est capable, à un moment donné, de prendre le train à son compte, et pourquoi pas d'aller le plus loin possible. Je pense que ça va être dur pour la victoire, clairement, même pour le podium, mais c'est vraiment un outsider qui est capable de surprendre à belle cote. Ensuite, en 7e position, j'ai retenu le numéro 2, hein, Rosario Baron, qui est impressionnant. Daniel Amélé, j'aime beaucoup cet entraîneur, et c'est vrai qu'il est vraiment en grande forme, il vient de s'imposer sur les haies. Ses limites sont à peu près inconnues, c'est vrai que c'est encore un hongre de 6 ans, un petit peu à l'image de Meta Sequoia. Je pense qu'il est un tout en dessous de Meta Sequoia. Mais en tout cas, c'est un cheval de qualité. Voilà, son entraîneur se laisse tenter par cet engagement. Johnny Charron qui lui sera associé. Attention, je pense que pour les premières places, c'est pas forcément une évidence. Mais vu ce qu'il a montré depuis le début de l'année, on est en droit d'en attendre une performance intéressante. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le numéro 8, Space Militaire, qui est un peu déçu hein, dernièrement dans le prix Ingré. Seulement 5e, il était proposé à 3,20€. Maintenant, on ne peut pas le condamner sur une seule tentative. Regardez cette musique, c'est assez impressionnant. Hein, ces séries de victoires, que ce soit en haie ou en steeple l'année dernière, il a certainement moins de marge face à une telle opposition. Mais c'est un cheval de qualité et c'est le deuxième atout du tandem La Genette-Macaire. Moi, je m'en méfie. Plutôt pour une place, parce que dernièrement, c'était un peu moyen et que j'ai besoin aussi d'être rassuré. Mais on est obligé de lui faire un minimum confiance pour une place. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 15, Noble Yetz, un cheval qui est venu sur notre sol en passé, qui a été arrêté. Voilà, il a terminé quand même 4e du Grand National de Liverpool. Hein. C'est pas rien, 6900 mètres, il a de la tenue, il a du fond. C'est pas le problème. Maintenant, l'adaptation aux courses françaises, c'est pas la même histoire. Et j'ai surtout besoin d'être rassuré, c'est pour ça que ce sera juste un regret. Mais sur ce qu'il a fait cette année, il a le droit de regarder certains rivaux droit dans les yeux. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 10, Jex, que j'ai retenu en tête devant le 5, Meta Sequoia, le 4, Cariacou, l'As Franco de Port, en 5e position, le numéro 18, Altesse du Berlay, ensuite en 6e position, le numéro 13, Général en chef, devant le numéro 2, Rosario Baron, et enfin en 8e position, le 8, Space Militurf, et en cas de non partant, le numéro 15, Noble Yetz, ce qui donne en chiffre 10, 5, 4, As, 18, 13, 2 et 8. Et en cas de non partant, le 15. En conseil de jeu, bah écoutez, le 10, Jex, prépare avec soin pour cette épreuve. Le numéro 5, Meta Sequoia, qui a terminé dauphin de mon préféré lors de leur dernière tentative commune dans la préparatoire du 8 avril, le Primura. Donc voilà, 10 et 5. Et puis le 4, Cariacou, je l'adore. Il a toujours terminé dans les 4 premiers depuis qu'il court dans cette épreuve. Donc moi, je pense que c'est une bonne base également. Et vraiment, j'adore sa candidature. Donc 10, 5 et 4, mes 3 préférés dans cette épreuve. On va se quitter sur cette émission. On va se retrouver lundi du côté de Marseille-Borély. Ce sera avec des galopeurs. On redescend de catégorie, mais en tout cas, un quintet intéressant qui nous attend. D'ici là, moi, je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée. Bye bye.